Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Les Portes de la Rédemption. Nous venions de terminer notre guerre contre Rhodes, et nous avions au passage annexé Chypre, parce que bah, c'est à côté, autant en profiter. On n'avait pas touché à Venise, on s'était quand même donné un focus en fait, tout simplement. Sur ces terres. Bon, on peut voir que d'ores et déjà l'Ottoman ne nous aime pas parce qu'il veut Chypre et Crète. Donc même si j'avais pas pris Crète, qu'on soit clair, Crète pardon, même si j'avais pas pris l'île de Chypre, il nous en aurait voulu. Donc 1 plus 1 égale 2, ça aurait revenu au même. Là, il nous aurait peut-être aimé à moins 55 au lieu de moins 60 ou un truc dans le genre. Bon, honnêtement, parce que c'est grave, hein. On a quand même, je vous rappelle, la France. On leur a donné une belle petite province au passage. Et bah pourquoi pas ne pas faire un pourquoi, quoi. Voilà, ça peut être intéressant de... On a déjà plus une revendication sur Naples. Si, mais... Un Trestang. Mais du coup là... Ah, c'est un peu absurde quand même. Après on est dans l'ère des découvertes, on pourrait faire... Ouais, bon, on verra bien. Avant de légitimer, ça nous coûte combien plus cher, honnêtement? Parce que hein, ça nous coûte 10% plus cher, donc bon, hein, on a marre d'avoir de la surexpansion, même si c'est pas très intelligent. Donc reprenons. Donc on va améliorer les relations avec Rhodes, c'est indéniable. On va même te... On est tellement sympa qu'on va te rembourser ta dette. On peut pas... T'as pas de dette? Eh bien, bien. Tu n'as pas de dette. Bon, bah, tu n'as pas de dette. Ah. Bon, hein. On va... Ouais, ça va descendre. Ça va descendre. Voilà, c'est descendu. Waouh, la Pologne. Notre fidèle allié demande à ce que nous venions en guerre. C'est une guerre d'agression que notre allié a provoquée. Ils sont alliés à Gênes, à l'Autriche. Ah ouais, mais bon, le petit souci majeur, mon ami. Donc c'est Pologne. J'ai envie de garder la Pologne. Donc ça te fait une guerre contre qui, concrètement? Bon. Ouais, mais sauf qu'on est quand même... On est quand même à côté, quoi. Contre Florence, ouais. Donc on se battrait directement contre Florence. Et nos troupes ne sont pas disponibles, en l'occurrence. Et en plus, on sera en guerre contre l'Autriche. Bon, l'Autriche, je pense qu'ils auront... Ouais, ça ferait peut-être un peu gros, quoi. Mais bon, j'ai envie de garder la Pologne-Lituanie en tant qu'allié, quoi. Vous savez quoi, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est ça, voilà, pour calmer le jeu. Parce que oui, on va rentrer dans cette guerre, on n'a pas trop le choix. Dans 8 ans. Pour accroître la stabilité, on va baisser... Est-ce qu'on est en retard niveau tech? Ouais, on est en retard, ça serait dommage. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va ramener toute notre flotte là-bas. On va attendre un peu. Je sais pas où est la flotte. On va attendre un mois encore. Le temps qu'ils arrivent. Nos forteresses sont en état, rassurez-moi. Faut vite qu'on se dépêche parce que j'ai pas envie de me prendre un... Ouais, je pense qu'on va se garder... Je sais plus si c'est un mois ou trois mois. Bon, on va attendre juste ça. Ah ! Merde! C'est un mois! Oh, fait chier! On a perdu notre alliance avec la Pologne. Ah, fait chier! Ce pays veut une de nos dépendances. Ah, merde! Bon, bah, c'est un mois. Pardon, désolé pour le tapage dans le micro. Et du coup, bah, bon, bah, désolé, hein, Pologne. Pourrait pas se trouver un meilleur allié, du coup? C'est qui le rival de l'Ottoman? Les Timourides, que nous n'avons pas découvert.
Ouais, et du coup, ça nous a fait un peu baisser notre réputation de diplo, quoi. Bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Mais du coup, on pourrait essayer de se gaver quand même. Ouais, t'as lié avec la Hongrie. On n'a pas de CB, mais écoute, un CB, ça se fait, hein. Ouais, bah ouais. Bon, bah, le faire revenir, hein. Ah, mince. En Pologne, ça, non, toi, t'avais Krod, c'est ça, la Pologne. Allez. Bon, en plus, on a perdu notre général, c'est bien dommage. Ah, ça me saoule, ça. Ah, le transfert n'a pas encore terminé. Ah, putain. Bon, en expansion agressive, on en est où, nous? Soit fort, hein. Donc, soit on mange vers Florence, ou soit Naples. Avant que... Bon, ceci dit, la Castille, t'as lié avec la France, hein. Bah oui, confiance. Bon, on va améliorer les relations avec eux, on va bien voir ce que ça donne. Bon, au moins on peut passer de tech. Bon, en plus, il y avait toute l'armée napolitaine qui était là. T'as gagné ta guerre, toi? Ouais, visiblement. Ah, visiblement, toi, t'es en guerre contre la caisse. Ah, ouais. Bon. On a reloupé le coche. Ah, un mois, je pensais que c'était 3. Militaire, on a quoi en militaire actuellement? On a quoi en militaire? On a... Non, bah non, non. On a une fortification locale meilleure. Bon. Bon bah du coup l'accès militaire en Pologne, on peut s'en taper, hein, du coup. Ah, ça m'embête. Je serais bien allé dans cette guerre, mine de rien. Bon, après ils nous aiment bien quand même, quoi. Je pense que... Ouais. Bon, ça va se regagner la confiance, de toute façon. Alors, non. Voilà, on s'en fout. On est le pape, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, si je déclare la guerre à l'Aragon, personne ne viendrait, quoi. Mais Naples viendrait. Ouais, mais bon, on sera en guerre contre tout un tas de gens. Bon, on va laisser la guerre se faire. Peut-être que Naples aura un fort désir de liberté. Diplomatiquement, non, on va attendre. On pourrait néanmoins demander un soutien diplomatique. Ouais, je pense. Voilà, comme ça on peut passer la tech le plus prestement possible. Voilà, kiffé. Et ça nous permet de faire des chantiers. 10 en dévotion ou 5 en prestige. Ouais, bah vu la tête de mon prestige, on va faire comme ça. Provence, ça peut être pas mal. De la prod en Provence ou alors en Romagne. Allez, vendu pour Romagne. Bon, du coup, notre limite terrestre a dû un peu augmenter quand même, non? Il y en a 5. Frontline 2. 24. Bon, on va voir. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je suis embêté, sachez-le. Bon, nos bateaux sont améliorés, non pas ceux-là en tout cas. Donc on va protéger le commerce là où c'est le plus rentable, à Venise. On va pour Venise. Je suis trop plié au port en cas de pépin, bien évidemment. Nos galères sont améliorées, non même pas, bien, une fois. Ah, on a encore un accès militaire à Ferrare. On va le rompre, cet accès militaire. Voilà. Noblesse s'inquiète. 1 en stabilité ou 20 en tradition. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez, quoi? Bon, allez. Je perds pas 20 en tradition terrestre comme ça, hors de question. On va recruter un général, quand on le pourra. Néanmoins, si on peut utiliser notre ordre, 20, il sera à 80. Bon, allez, go. Ce sera peut-être bon. Ouais, bon, il a le mérite d'exister alors. Haute-Provence, ou alors... Non, on va faire ça. D'autres valeurs fiscales, je crache pas dessus. Donc on va faire ça. On sera à 22.
Donc là, on pourrait quand même faire une revendication quand la Hongrie pourra plus venir en guerre. Bah écoutez, on peut faire ça, honnêtement. On va constituer un réseau d'espionnage, par principe. Bon, dans 7 ans, des séparatistes grecs, ouais. À Chypre, la populace, ça c'est leur problème. Et ça dans pas longtemps. Ok. Et Chypre, quand ça sera légitimé, de toute façon, on y verra déjà un peu plus clair. Bon. On va revendiquer quoi? Sienne n'est pas trop mal. Hein. Bah attends, on va regarder l'état de Rome. Ou d'Ombrie, ou de Romagne. Ouais, ok. Donc ça, c'est vraiment l'état de Toscane qui est vraiment le plus juteux, disons. On peut... Bah, je préférerais celui-ci, hein, quitte à choisir. Ouais, je préfère celui-ci. Bon, bah désolé Pologne, mais promis, c'est que temporaire. Du coup, encore un Gus, je suppose. Donc on est à 22 et on avait dit que la frontline c'était de 24. Donc on va refaire un Gus en plus. Voilà. Ouais, mais moi aussi je veux mes... Ah, t'as plus d'alliance. Ça y est, t'as rompu ton alliance. Ah, Venise a dû... Florence a dû se casser de la guerre. Il faut qu'on se dépêche. Du coup, morale limite navale, on va refaire une galère de plus. Allez, Schnell. De toute façon, Sienne, on va pouvoir le prendre très prestement. Honnêtement, dès que c'est bon, ça, on y va. Capacité commerciale, ok. Ce qu'on pourrait faire... toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la jouer en défense. Ouais, bah vous voyez, la France a un peu de mal. Hein. Bon, c'est vrai que la gestion de la France, c'est d'abord la Bretagne. En soi, ça se tient. En soi, ça se tient. Allez, plus vite pour le réseau, s'il vous plaît. On pourrait prendre quelqu'un qui fasse augmenter le réseau d'espionnage, c'est vrai, mais bon, il est K plus 2, ça m'ennuie un peu. Plus 1, pardon. Mais ça nous permet quand même d'avoir un nouveau bateau. Moi, j'aime bien les bateaux. Bon, 90%, là, il va falloir qu'on se calme avec eux. Hein. Après, ceci dit, c'est la Haute-Provence, hein, c'est ça. Tu passes sur le contrôle des bourgeois. Et si on les vire... Non, on peut pas encore. Parce que... Estate Revolt Cold Dawn. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Bon, on va se dépêcher. On va arrêter d'entraîner notre armée. On va sortir notre flotte. Sont tech combien? Ils sont tech 7, on est tech 8, donc on est relativement bien positionné, j'ai envie de dire. Bon, ça va se calmer, ça, de toute façon. Bon, allez, on accélère un peu le temps parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà, à 20, parfait, je veux ça, merci. Du coup, Florence. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare la guerre. Non, avec le CB, ça serait mieux. Voilà, prendre Sienne. Oui, je veux prendre Sienne. Allons-y. Allez, loot. Parfait, donc ici c'est un petit... On va peut-être se diviser, on va aller à Arenzo. Si on peut se taxer ça, moi je suis pas contre.
Bon, parfait. Là, on va choper les gens. Bon, ils ont un meilleur moral naval à voir. Mais on a plus de galères. Bon, voilà. C'est une bonne chose qui vient de se passer. On va aller... Ah, on peut pas aller à Pise, par contre. Mais on peut aller là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Perte d'un peu d'argent, certes. 40 points militaires ou 5 en prestige. Ouais, tu coûtes cher, mon lapin. Pour exiger une petite contribution. Voilà. Et on peut même construire du commerce quelque part. Ou de la prod. Ou peut-être un gouvernement. Ouais, à Rome. Oh, ne me dites pas que j'ai laissé Lady comme un... Oh, bah si, j'avais bien laissé Lady, bien évidemment. Voilà. Et du coup, ça donne quoi si on reprend ça? Moins 6, ouais, c'est un peu moins intéressant. Une armée, bof. Des impôts. La marine, peut-être? Ou... Un fort. Où est-ce qu'un fort pourrait être intéressant? Bon, ici, il y a tout un tas de forts. Bon, là, on va voir avant de construire le fort, au final. Peut-être construire de la prod quelque part, voilà. Est-ce qu'on peut tenter le débarquement? Oui, on va tenter le débarquement. Parce que toi, tu veux qui? Tu veux quoi, toi, Sienne? Tu veux... Sienne, je sais pas ce que tu veux. Dans la conquête de Luc. Ah ouais. Je veux ma part du gâteau, moi aussi. Bon, réception de la flotte ennemie, ça devrait pas trop poser de problème. Voilà, et on a capturé un light, parfait. Ah, oui. Grosse erreur, un peu de guerre. Gratos, on va kiffer. Ouais, bah l'Aragon va assiéger la gueule. Après, ils ont peut-être un fort... Non, ils sont très humbles. Bon, on va voir ce qu'on peut manger concrètement, mais... Voilà, et là on dégomme le bateau. Parfait. Alors toi, tu vas aller protéger le commerce en Venise, tu te replies au port. Merci, au revoir. Bon là, il n'y a plus trop de sujets, donc on peut aller là. Donc concrètement, si on déclare la... si on fait la paix, on peut prendre ça. Ça ferait un... Et si on fait ça et on prend Arenzo, admettons. Ouais, bah après c'est deux grosses provinces, hein. Bien dodu des fesses. Hein. Et si on fait ça, c'est la guerre civile. Ouais, c'est la guerre civile. Et sans Florence? Et avec Florence? Et si on prend juste... Bon, c'est débile de faire ça, mais... Ouais, ok. Donc on pourrait faire un truc comme ça. Il n'y aurait que Jeanne. Ou prendre Pise. Après, il faut voir si Pise est un estuaire. Ouais, Pise est un estuaire versus... Ouais. Après, là... Pise est quand même... Ouais, on va prendre Pise. Arenzo, c'est bien parce que c'est une position centrale, en fait. Ça serait très intéressant avec un fort, stratégiquement parlant, j'entends. Alors que Pise, c'est plutôt économique. Arenzo me paraît pas mal. Ça nous verrouillerait quand même toutes ces provinces. Arenzo, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment l'endroit où il faut mettre un fort. Ouais. Donc ça, on va le prendre. Voilà. Chypre fait partie de nous. Et comme ils font partie de nous, on va les... Voilà. Est-ce que maintenant c'est viable? Ça coûte très cher, d'accord. Ça, je connais la chanson. 4, 5, 6, 6. Hein, ça fait... ouais, ok, nous on est à 4, 5, 5. Il nous manque 1.1. Mais ça peut être comblé avec... Ah non, bah non, ça peut pas être comblé. D'où Jésus?
Et ben on va mettre l'éclair. L'éclair ils sont à combien? L'éclair sont à 78. Ça m'embête un peu de leur donner autant de provinces au clair. Bon, on va attendre pour ça. On va attendre. Un autre atelier plutôt. Ouais, voilà ça. Moi je m'en fous, je peux piller en attendant. Ah, on peut convertir. Bon, me demandez pas comment, mais on peut convertir. Peut-être parce que le zèle religieux. Donc on pourrait faire l'édit de religion imposée. Premièrement. L'édit de religion imposée, je pense que ça passerait un peu mieux. 52 mois. Bon, à 24 par mois, les gars, vous êtes gentils, mais j'ai pas les finances, quoi. Surtout pour 52 mois, mollo, quoi. Putain, vache. Après, si on met les clercs, ça donnerait quoi? Mission locale. Ouais, ça serait dérisoire. Bon, on va attendre. Et il y a peut-être un zèle religieux, je sais pas. Hein. Station locale. Non. Parce que c'est une culture non acceptée. Mais après, on peut l'accepter, peut-être, la culture, maintenant. On peut peut-être essayer de voir si on peut accepter les cultures dans notre sphère d'influence. On peut mettre la culture grecque, ouais. Ouais, on va la mettre. Voilà. Chose qui devrait nous faciliter grandement la tâche. Voilà, ça descend déjà. Mais ça coûte vachement cher. Hein. L'Ottoman dans son âge d'or, tant mieux pour toi. Ouais. C'est pas dingue. Et nous, on avait pris les doctrines diplomatiques, ouais. Okay. Ah, ça y est, loin. Ils ont annexé Florence. Carrément, en mode ballsy des fesses. Ok. Et si je prends Luc? Ouais, non. Ok. Non, on avait dit qu'on prenait pas Pisc, qu'on allait plutôt prendre Arenzo et plus stratégique. Voilà. Par contre, hein. Merci. Tu abandonnes tes revendications parce que je veux mon prestige. Tu me donnes la réparation de guerre. Parce que pourquoi pas. Et puis, ben, merci, au revoir, quoi. 160, on a les points. Ok, go. Merci. Donc, oui, on va... Alors, déjà, construction. Bon, ça déjà, oui. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, on va légitimer ce beau monde. Hop et hop. On retourne à Renzo, s'il te plaît. Est-ce que notre ligne limite navale a augmenté, du coup? Non. Mais, par contre... se regrouper, on peut faire, voilà, on peut faire un gus de plus et on va pas se priver. Bon, on va attendre que ça se légitime mise, si j'ose dire. Je pense que ouais, ils peuvent avoir leur la trêve avec Venise a expiré. Ouais, mais là niveau ouais, voilà, là on commence à être un peu border, hein. Ouais, comme on a des diplomates et qu'on sait pas trop quoi en faire, on va... Alors, on recommence. Hop. Ok. Bon, toi tu peux aller là. Voilà. C'est utile d'avoir... Il nous faudrait 20. Sujet, reviens. Et toi, on retourne là. Et une autre fois dans les pays outragés. Parfait. Bon, c'est l'état de Toscane. Hein, c'est... Autant dire que c'est l'état le plus riche. Ok, donc... parfait pour ça. Bon, on a des risques de révolte, des séparatistes crètes, ouais. On va bien voir. Du coup, ta guerre Pologne... Ouais, bah, comme quoi, on a bien fait de payer entrée, en fait, au final, dans cette guerre. Parce qu'à mon avis, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Hein. Cette Pologne se fait rouler dessus comme ça. Autriche, est-ce que c'est viable d'être allié à toi, du coup?
Ennemi d'un ennemi, allié d'un rival. Est-ce que c'est possible si on améliore au max nos relations? Est-ce que c'est possible d'améliorer au max nos relations pour être allié? Allié d'un rival, moins 50, est allié à la France? Non, c'est pas possible. Bon, on voit que la Lituanie gère bien la situation. 10 en dévotion, non, on va gagner, perdre 5. On va gagner un peu de prestige, ça ne fera pas de mal. L'Espagne veut passer. Ouais. Ah, alors pourquoi tu veux passer, Espagne? Alors attends. L'Aragon a dû se faire amputer la gueule, non? Pff, oh la vache, pauvre Aragon. Italie a plus personne. Si on te déclare la guerre. Ouais, bon. Pourquoi tu veux passer, Espagne? T'as bouffé des territoires? Ah, peut-être parce que t'es en Black Flag. Oui, on va accepter pour toi, Espagne. Au pire, c'est pas bien grave. On peut s'allier à la... Voilà. On peut s'allier. Ouais, mais on est à 4 sur 4 pour le moment. Ouais, en gros, on peut qu'avoir un... Bon, par contre, ce qu'on peut faire, c'est les faire marcher, si j'ose dire, eux. On va chez eux et... T'arrêtes d'améliorer les relations pour le moment, c'est pas le but. On peut en créer une marche. Qu'on aura notre diplomate, on va le faire revenir, créer une marche, voilà, une marche des hospitaliers vendu, voilà, comme ça dans notre succès il ne nous manque plus qu'une seule chose, c'est ça, c'est la province de Jérusalem, bah le territoire si j'ose dire. Bon, par contre commerce, non, on va attendre que ça se termine d'être légitimé cette affaire. Niveau bateau, on peut faire un gars de plus, donc on va monter, il n'y a aucun problème. On va faire un canon de plus. Et Luc, t'es allié à France. Ouais, en gros, c'est verrouillé par le... C'est verrouillé ici. Ceci dit, si on t'attaque, Luc, la France viendrait... Ouais, la France viendrait malgré que t'es... Ouais, ok. Pas de problème. T'as terminé déjà toi? Mais je t'ai pas mis en... Eh ben... Plutôt l'efficacité commerciale, t'as pas quelqu'un qui... Non, ils sont trop hauts nos ordres, on peut rien faire. C'est pas grave. Du coup, ce qu'on peut faire... ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est faire un petit tour ici, dans les pays outragés encore une fois. Voilà, comme ça on calme bien le jeu. Bon, ça va franchement, on gagne pas mal d'argent. Hein. On gagne quand même pas mal d'argent. Après, on pourrait retaper sur Venise, hein. C'est encore une possibilité. Danemark et Savoie, bon, il faut y aller. Hein. Bon, je suppose que l'Ottoman... Non, c'est l'Autriche qui revendique la... Et là, en fait, Autriche, ouais, on pourrait pas s'allier à toi. Moi, j'aimerais bien m'allier à l'Espagne. Qui a un bon steak, l'Espagne. Et honnêtement, quitte à perdre un par tour, franchement, je préfère avoir un bon réseau d'alliances. Allez, on s'allie à l'Espagne. Alors, on en a trop, je sais. Mais de toute façon, avec la prochaine, ça nous permet d'avoir une relation diplomatique supplémentaire. Donc c'est plutôt une bonne chose. Du coup, c'est un Trastamara cette affaire, non? Pas d'héritier légitime, t'as 34 ans. Et j'ai pas vu ce qu'il y avait là. Prétendant aragonais. Homme ou femme, on peut pas savoir. Ok. Je sais pas si on... De toute façon, on pourrait rien prendre. On a trop d'expansion agressive, le moindre truc qu'on prendrait... Ça serait fini pour nous, quoi. On a trop d'expansion agressive. Il est jusqu'en... Pendant combien de temps, notre malus, là? Encore un an, bon, après... Hein. Alors, Pologne, t'es fait ouvert à la gueule ou pas en fait? J'ai même pas remarqué. Ouais, t'as dû perdre tes territoires, Pologne. Mais du coup, je suppose que la Pologne ne nous... Oh si, ça va. Ça va. Mais bon, on est allé à l'Espagne, franchement. Ça va aller. Sachant que l'Espagne commence à mettre le pied en Afrique.
Bah, et nous maintenant, si on joue intelligemment pour avoir une succion, on va dire, le plus rapidement possible, on pourrait déclarer la guerre au même look. Est-ce qu'on est apte à le faire? Non. Non pour. Alors, efficacité commerciale ou gain de plein d'argent? Voilà, tu me prends par les sentiments, mon lapinou, là. Après, ça nous permettrait peut-être de faire une... Ouais. On va gagner ça. Voilà, je pense que... On va voir à la fin du mois ce que ça va donner. On va terminer l'épisode là-dessus. D'accord, ça, c'est une information dont je me serais bien passé. Bon. Allez, on va créer un truc en cône. Commerce, on avait fait. Ici. Là, comme on a de la thune. Est-ce que au niveau des conversions... Ouais, 22 par mois, c'est énorme. 25 mois, ça nous prendrait... Donc 10 mois, ça ferait ça. 400. 400. Ça nous ferait coûter 500 ducats. Pour convertir Chypre. Sachant qu'on a une unité religieuse de base augmentée. Bon, honnêtement, hein. On va faire aucun édit, on va arrêter de payer dans le vent. Voilà. On verra bien ce que ça donnera par la suite. Voilà, Sienne fait partie de nous. Je pense que construire un truc à Sienne... Ouais, pas spécialement utile pour une fois. Moi, c'est vraiment Arenzo qui m'intéresse. Après, c'est vrai qu'on a Gênes. Oh putain. France, t'es allié à qui, concrètement? Ouais, t'es allié avec le nord de la botte italienne, quasiment. 100 000 ans. Ok. Bon, le mérite, ça a le mérite d'être clair. Allez, c'est bon. On va bien sûr en faire un état. Oh oui. Un bel état même. Voilà, comme ça on va encore gagner plus de thunes. C'est vrai qu'on en avait pas assez. Pas mal, hein. Maintenant, je veux juste construire un... Alors, le marché ici, ouais, ça pourrait être intéressant. Ou autrement, on va un peu le développer, vous savez quoi. Un. Et deux. Voilà. Bon, pas grave. Juste le développer un poil pour qu'il passe à 20. Bon, ça nous fait une bonne province, comme ça, en plus. Et là, on pourrait construire un fort de niveau 2. Voilà. Ça, on est bien verrouillé ici. Et on gagne plus de thunes. Bon, bah, c'est pas trop mal, ça. Ensuite... Ouais, les séparatistes commencent un peu à gueuler, quand même. Mais pourquoi, en fait, on est qu'à... zéro pile, en fait. Honnêtement, ouais. On va le garder, lui, hein. Avec la Pologne à expirer, conseiller disponible plus 1. Ok, on n'est pas à pape, non, c'est toujours à Bourgogne. Moins 1, ouais, mais bon, on l'avait payé lui, hein, je me souviens. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, peut-être voir avec. Indépendance garantie par l'Hongrie, mais je pense que Hongrie... Ah si, Hongrie, t'es... On n'a pas 10 points de faveur avec la France? On a dû les épuiser peut-être, ouais, ok. Ouh, j'espère que... Ils vont commencer à être en conflit, les deux-là. Et Naples, t'as un fort désir de liberté? Non. On pourrait soutenir ton indépendance, mais bon. Ah, prod, non. Impôt, non. Commerce, non. Armée. Modif de marins locaux. Allez, on va prendre un peu de marins. Voilà, Rome, parfait. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus les gens.